Salut à tous et bienvenue dans cet après-match olympique de Marseille qui a concédé un match nul 0 à 0. On va parler de, de ce match, de la prestation des Marseillais avec qui Avec Adam qui est ici avec nous. Et là. Ça oui, va Adam Bonjour à tous. Ça va, bon. Adam. Un match, pas, un match pas, pas emballant qui donne pas aussi envie d'avoir le sourire, mais bon, on est, on est quand même présents. Eh oui, eh oui on, on va en parler aussi avec la voix qui est avec nous aussi. La voix eh oui. est là. Voilà. <laughs> la, la voix qui, euh, qui envisage aujourd'hui. C'est ça, exactement. On va se faire ce, ce petit débrief là à, à 3. On rappelle Adam que tu officies pour, pour les, la chaîne Les Réservistes également. C'est ça. Une, une émission qui Comment va ça reprendre d'ailleurs le mois prochain. Exactement. Comment ça se passe pour vous, parce qu'il y a eu un petit break? Il y a eu un petit break, on euh, de l'attend des nouveaux locaux, on a réussi à les, à les trouver et normalement bah là c'est les derniers petits travaux et ça reprend euh, dans, en plateau euh, le mois prochain on l'espère. Allez au top, on suivra ça. Euh, on va passer tout de suite aux trois enseignements du match. Avant ça, on va quand même rappeler euh, ce qu'il faut faire la voix. Hein. On bah va oui. commencer dans l'ordre. <laughs> on fait trois enseignements, analyse à chaud, et ensuite ce sera votre débrief. Donc mettez des questions dans, dans les deux chats sur Twitch, sur YouTube. Mmh. Alors je crois que sur YouTube, euh, sur euh, Twitch, pardon, ils sont un petit peu en retard. Il y a un, il y a un, petit, euh, un petit décalage, mais, euh, mmh. mais voilà. Posez quand même vos questions. Je, je les lirai pour euh, votre débrief à la fin de l'émission. Bon, euh, trois enseignements improvisés. On va en faire un chacun, les gars. Qui veut commencer bah Vas-y, si tu, tu veux commencer Est-ce que tu as un enseignement un... Ouais, bah un OM au ralenti. Un OM au ralenti euh, qui euh, n'avance pas malgré les trois points obtenus à Clermont. Un OM qui, depuis quelques temps, euh, voilà, se cherche notamment dans, dans le style de jeu et ça fait qu'on a des matchs très très pauvres euh, comparé au début de saison. Donc, oui, un OM au ralenti, on... et oui, cette équipe n'avance pas comme elle doit l'avancer en championnat. Très bien. Parfait. Euh, la voix. Moi mon enseignement, c'est euh, Luis Enrique euh, pas au rendez-vous. Parce que s'il donne, donne sa chance, tu vois, c'est le genre de match où, où il, peut, il peut un peu prendre confiance, etc. Et il a été extrêmement décevant. Et euh, donc voilà. Donc, je retiens surtout la mauvaise prestation et le, 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 le coche manqué de, de la part de Luis Enrique. Ouais. On peut associer euh, Milik aussi ce soir. Qui a, pas été, qui a été décevant. Ouais. Euh, mon enseignement euh, du match, ouais, moi, ça, va être, euh, bon, ça rejoint un petit peu Adam, hein, c'est euh, le jeu. Il n'y a plus de jeu dans cette équipe, on a, on a, on a l'impression euh, qu'au fil des matchs, euh, bah, tout, ça, tout ça part en, en fumée depuis des semaines. Alors, euh, il ouais, y a les points, mais il y, y a aussi le jeu. Voilà, ça sera mon, mon enseignement du match euh, à l'absence de. Il de, n'y de, a, a plus ce jeu du, du premier mois de compétition. On ne retrouve plus ça du côté de l'Olympique de Marseille et ça commence, à, ça commence à durer maintenant. Ça fait plusieurs semaines qu'on qu ne voit plus ça. Voilà, c'était les trois enseignements du match. Maintenant, on va rentrer un petit peu en profondeur dans l'analyse de ce match et c'est l'analyse à chaud. Allez, Adam, qu'est-ce que tu retiens, toi, ce soir, euh, de, de la prestation euh, euh, des, des Marseillais euh, euh, Tu peux développer un petit peu, si tu veux, ce que, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens, toi bah, Plutôt un OM qui, qui s'en sort bien, euh, même à 10 contre 11, même en supériorité numérique. Euh, on a vu que Metz euh, a eu les plus grosses occasions euh, du match. Euh, il frappe deux fois les montants, euh, plusieurs fois, notamment en fin de match. Euh, ils se rendent dedans ou alors ils n'ont pas la lucidité de, de faire la bonne passe au bon moment. Je pense à 111, euh, notamment en fin de match, qui, 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 voilà, qui arrive face à Mandanda et qui perd ses moyens. Voilà, un OM qui, qui peut s'estimer heureux. Je n'ai pas trouvé de connexion technique entre plusieurs joueurs. J'ai trouvé un paillette un peu moins en vue que par exemple face à la Lazio. Euh, et c'est quand même dommage parce que la première mi-temps qu'on avait vue face à la Lazio. Euh, nous a donné un petit peu espoir de peut-être qu'il y allait avoir toute cette in intensité qui allait être mise ce soir mmh. et euh, finalement non, on a vu un OM qui ronronnait, des passes latérales très souvent Saliba, kaleta char kaleta char Luan Perez euh, on essayait de, de donner le ballon à Guendouzi pour qu'il puisse faire avancer le bloc mais le, le bloc en face était, était plutôt bien regroupé donc, euh, donc voilà, ça a tourné il y a eu quelques occasions, une belle frappe de Payet sur la barre euh, il y a eu quelques centres qui sont arrivés mais je pense que l'OM a beaucoup trop abusé de centres dans ce match ou euh, qui est déjà arrivé quasiment à tous les lire, voilà. Et en deuxième mi-temps, tu te dis que peut-être avec ce carton rouge, euh, tu vas pouvoir réussir à, à accélérer. Et non, non, tu n'as pas accéléré. Alors, on peut aussi mettre aussi en parallèle le, les Messins qui ont beaucoup, euh, beaucoup euh, abusé des défauts en se mettant au sol, des arrêts de jeu avec beaucoup danti d'anti-jeux. mais c'est pas, pas aussi, une, pas une raison. Quand es l'OM, tu dois rater au Vélodrome à 11 contre dit tu dois prendre le ballon, tu dois accélérer, tu dois faire du dépassement de fonction. Saliba le fait, Luan Perez le fait beaucoup moins alors qu'il le faisait notamment en première partie de saison, et ça donne un résultat, voilà, un 0-0. Et encore une fois, l'OM peut s'estimer heureux de prendre un point ce soir. C'est vrai. Alors, tu parlais de Payette, Moi, bizarrement, j'avais noté sur une petite feuille Payette un peu trop seul, tu vois. Offensivement, moi, je l'ai pas vu. J'ai trouvé qu'il a eu du dedans que ça, Paillette. Ce soir. Ah, il a eu du déchet, il a eu du déchet oui. euh, en deuxième mi-temps, oui. il, il a pas mal de déchets, même sur les hauts niveaux des coups de pied arrêtés, et je trouvais qu'ils étaient plutôt ouais. mal, mal frappés, très souvent près du porteur, que ce soit lui ou Under. Non, moi ce soir, euh, la seule personne qui m'a apporté satisfaction, personnellement, c'est l'entrée de Conrad. J'ai trouvé qu'il a ramené du dynamisme, des incontraintes, sinon Under, beaucoup de déchets, Milik, j'en parle pas, mm. Milik, il a eu oui. euh, 3-4 grosses occasions, ouais. mais un déchet oh. énorme, mm. et Ayette, pareil. Un déchet énorme, ouais. Euh, Ryan, qu'est-ce que tu penses des, des Marseillais ce soir ah Bah Écoute, il euh, y a Eddie qui vient de dire euh, quelque chose dans, dans le chat qui, qui rejoint un peu ce que, ce que je pense. Euh, quand tu m'as demandé les trois enseignements, je t'ai parlé de Luis Enrique et là Eddy me dit « Ryan, s'il te plaît, ciblez le débat sur la tactique plutôt que les joueurs ». Et euh, c'est un, un peu ce que j'ai envie de retenir aussi. Tu vois, Au niveau de la tactique, je trouve que c'était assez frileux quand même malgré, malgré tout face euh, à une… Quasiment une lanterne rouge, on peut le dire. Hein. Ils, sont, euh, ils étaient 19e ex avec euh, avec Saint-Etienne avant la rencontre. Et euh, ouais, j'ai trouvé vraiment le, la composition déjà de base, de ne pas mettre Rongier, euh, ça m'a un peu étonné. Euh, mettre Gendouzi alors qu'il risque aussi d'un carton jaune et être, euh, être suspendu face à Lyon, bon ça n'a pas été le cas, euh, ça va. Mais, euh, mais Rongier, il manquait vraiment dans, dans ce milieu, il fallait quelqu'un de beaucoup plus remuant pour... Euh, pour un peu casser les lignes, parce que c'était très très compliqué d'aller chercher nos attaquants. Et euh, après, je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais, Ben, euh, par rapport à, à Payette. J'ai trouvé plutôt en jambes euh, à essayer d'aller un peu écarter le jeu parce qu'il voyait que c'était très très vraiment bouché devant, le, devant la cage d'Ukija. De, de euh, gros regret aussi sur toutes les actions que, que, fait, euh, que fait Milik parce que. Je veux dire, il y en a une à un moment, je sais pas si tu vois, où il prend le ballon, il se retourne et il la il a, il met pied gauche. Ouais. Il est vraiment pas très très loin de la mettre, c'est vraiment dommage. Après, je ne l'ai pas trouvé non plus catastrophique, euh, je ne vais pas dire qu'il a été euh, honteux, etc. Comme je peux voir euh, dans, dans les différents chats, là, il y a quand même pas mal de gens qui le critiquent. Mais c'est vrai qu'il a manqué de réussite en tout cas, euh, donc c'est vraiment dommage. C'est ce que j'ai envie de, de retenir. Bon, je pense que milik on aura certainement des, des, des questions là-dessus. On en parlera ouais. tout tout à l'heure. Euh, C'est vrai qu'il s'est passé mine de rien beaucoup de choses dans, dans, dans ce match. Hein. Ouais. Il y a 0-0, mais il y a énorme, mais il y a un, un, un scénario et énormément d'enseignements à tirer. Tu as le retour demandant t as, t as, euh, euh, Effectivement, effectivement à ce jeu marseillais qui euh, mais, qui. qui... Complètement absent de, depuis des semaines. C'est vrai qu'on au, au final tirer sur des joueurs, en particulier, c'est c'est peut-être pas ce qu'il a à faire parce que parce que cette compo -là, elle change beaucoup depuis des, des semaines. Ouais. Et peu importe les joueurs, on, on retrouve plus la langue qu'il y avait et, et cette volonté d'aller faire mal euh, à l'adversaire, de se projeter vite vers l'avant, d'harceler le, le porteur du ballon. Euh, il euh, y avait énormément de d'envie énormément d'occasions de, euh, une équipe de l'OM qui marquait beaucoup de buts et, et tout ça on l'a plus quoi et peu importe les compos parce que même quand euh, Marseille a fait des matchs relativement euh, euh, bons ces dernières semaines euh, euh, que ce soit en, bah, en Ligue Europa ou, ou voilà euh, face à Paris Marseille fait un bon match euh, Marseille a fait des bons matchs mais globalement les productions offensives de cette équipe là elles sont décevantes quoi et, et là, ce n'est pas, pas, pas des cas particuliers, ce n'est pas, pas dû à des joueurs en particulier. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Adam, c'est plus euh, collectivement que cette équipe n'y arrive plus. Ouais, c'est collectivement. Après, bien sûr, on est obligé aussi de, de parler du choix des hommes à l'intérieur du système. Parce qu'aujourd'hui, ouais. le but d'une animation, euh, d'une mise en place tactique, c'est d'optimiser les qualités de chaque joueur et de, et de faire ouais. en sorte qu'on voit de moins en moins les défauts. Et quand je vois par exemple le positionnement mmh. d'un Liro là, euh, que ce soit ailier gauche ou que ce soit dans le milieu de terrain mmh. à la place d'un rongier et pas dans, dans, sa, dans sa position préférentielle, c'est sûr que aussi ça va te limiter. C'est un joueur qui va se chercher par exemple dans le cœur du jeu, là où d'habitude il a plus l'habitude d'avoir le couloir, d'arriver lancer. Là il est dos au jeu, il doit se retourner. Et donc du coup c'est beaucoup plus lent que ça doit, doit l'être euh, d'habitude. Luis Enrique aussi, il faut, faut en parler parce qu'en début de saison, les, les, les très bons matchs de l'OM. T'as Conrad aussi, notamment contre Montpellier. Tu as, as des ailiés très percutants et tu arrives surtout à trouver les oui. décalages. Et, et c'est loin tout ça déjà. C'est très loin. De ah, bien tout bien ça sûr, déjà mais Parce, parce Conrad, on l'a vu aussi rater beaucoup de matchs. Bien sûr. Mais aujourd'hui, Depuis... on aujourd ne on va, on va pas se mentir. Aujourd'hui, si je, pr je préfère un Conrad. Euh, qui est tout le temps dans un 1v1, qui a peut-être un peu de déchets dans, dans la finition, dans, le dernier, dans la dernière passe, mais qui au moins apporte de l'allant offensivement, qu'un qu Luis Enrique est beaucoup trop neutre. Oui. Pareil pour Bamba Djeng. Oui. Pareil pour Bamba -Jeng. On ne le voit plus ces derniers temps, alors que je suis désolé. Milik, il y, y a certains matchs qu'il ne doit pas faire en entier. Djeng, euh, il a rendu de, 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 de gros services. Et encore une fois, il y a aussi un, un dernier point que je voulais rajouter l'impression que sur le début de saison, quand on avait ce rôle de paillette en faux neuf, avec beaucoup de mobilité, un paillette qui décrochait ouais. des ailiers des milieux qui plongeaient dans son dos pendant l'absence de Milik j'avais l'impression que l'animation de l'OM tournait beaucoup plus qu'avec un point fixe comme Milik aujourd'hui ouais oui c'est vrai c'est vrai euh, messieurs on va peut-être passer à votre dé débrief qu'est-ce que tu penses la voix ça te oui, paraît bien ou pas pas tout comme ça on prend ouais. un maximum de questions et puis, ouais. euh, et puis euh, comme ça on n'en dit pas trop tu vois on se répétera pas c'est ça allez on y passe tout de suite c'est maintenant votre débrief Et n'oubliez pas d'ailleurs de mettre euh, voilà, des petits pouces vers le haut, des, ouais. des likes, des, des partages. Abonnez-vous aussi. On arrive vraiment très rapidement aux 60 000, aux 60K. Et ça, c'est très important. C'est très, 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 très important pour cette chaîne. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et il nous faudrait des petites animations, là, Ryan. Des petites animations où tu vois, on voit, tac, la petite cloche, tac, le petit bouton, abonnez-vous, tout ben, ça, ça, pareil, ça, 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 ça. Ça, je, je l'ai au studio, mais il faut que je les euh, mette sur euh, mon PC ici. Ouais, ah oui, j'en ai un, laisse un like, j'en ai ah un. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais. Donc euh, voilà, lâche un like frère, n'oublie pas, c'est <laughs> gratuit, euh, tu peux faire ça, tac, sur le bouton, c'est comme ça. Allez, euh, qu'est-ce qu'on a sur, le, sur les chats, Ryan Alors, on a pas mal de, de messages, merci au sub aussi, euh, Marakshi euh, qui a dit content de faire partir de la, de la team depuis tout ce temps, ça fait 7 mois, donc merci beaucoup à, à toi. Ouais. Euh, Taxolo qui a repris encore un sub, 15e mois, et, euh, et hop, et Nayar aussi, euh, Ryan. C'est moi. <laughs> Je me suis saboté. J'ai utilisé mon Prime. Donc faites la même chose si vous voulez euh, soutenir FCM. Utilisez votre Prime pour euh, pour soutenir FCM. Euh, sinon, ouais, euh... on remercie aussi tous les tous les gens qui qui se sont sub depuis des mois, des mois maintenant, ah ouais, depuis le clair. début de cette chaîne. De... Mmh. On vous remercie de votre fidélité. C'est vraiment très 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 euh, sympa et important pour faire vivre cette chaîne également. Exactement. Euh, alors du coup on a Corn Code. Euh, qui dit première ense... premier enseignement euh, plus jamais arrête sur le terrain donc euh, lui il n'a pas du tout aimé son entrée, mmh. euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous Je pense que Korn c'est un très bon groupe déjà un très bon groupe de musique <laughs> Qu'est-ce que tu en penses toi Adam J'ai pas trouvé euh, si mauvais que ça pas en relayeur, il a essayé d'apporter dans, dans une position un peu plus basse il y a un moment donné, je ne sais pas si, si vous vous rappelez, mais en fin de match, il fait une passe pour Under qui se retourne, qui fait n'importe quoi avec ses pieds, mais il, il, il met un extérieur du pied caché qui trouve Under dans, dans la surface. Si Under, il est sur, comme les dernières semaines, il se retourne, il frappe, normalement, ça fait grosse occasion de but. Voilà, il a apporté un peu de, de dynamisme, un peu de remuant. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est. C'est compliqué pour un joueur comme lui qui n'enchaîne qui enchaîne pas trop ces derniers temps. Tu le ressors contre lazio sur un côté, tu n'as pas de rythme. Ce soir, tu le refais rentrer dans un match où tu vas jouer face à un bloc bas. C'est vrai que c'est compliqué. Je trouve que euh, il a, il a, le crédit qu'il a donné à Luis Enrique aujourd'hui, il aurait peut-être pu le donner à Harit. Surtout face à des défenses regroupées comme ça. Je pense qu'il a, il a une certaine finesse technique avec Payet et je pense qu'il ouais. aurait, il aurait peut-être dû commencer avec Harit sur le terrain. Donc voilà euh, une entrée, euh, voilà 5 sur dix bah, écoute ben moi j'aurais bien vu euh, un Harit, comme il le dit adam euh, dès, dès le début du match mmh. mais euh, tu vois un peu plus bas et avec un paillette en faux neuf en fait donc pas de milik j'aurais peut-être pas mis milik tu vois et même à gauche ah ouais, j'aurais bien un... non et à gauche j'aurais mis un, un Djang. et je pense que là tu vois tu retrouves un, ce, ce tu pourrais peut-être retrouver un peu ce, ce, cette spontanéité ce, cette fraîcheur sur les, sur les côtés parce que, parce que là, ça a été vraiment compliqué. Tu essaies de, de redonner un peu de temps de jeu à un, un Lucien Riquet qui, qui vraiment euh, mm. est stérile au possible. Quoi. Je veux dire, c'est pas possible d'être comme ça. En plus, là, je sais pas si vous vous rappelez de cette remise là, de paillettes de, de la poitrine. Mm. La balle lui revient parfaitement et il fait une volée euh, plat du pied un peu entre les deux. Il tire sur le gardien, etc. Il, une passe, quoi. Bah, ouais, il une passe au golf. C'est ça. ça. Et je trouvais vraiment ça euh, dé décevant parce que là, comme elle vient, en fait, il faut, faut la fouetter directement et euh, bien se coucher sur le ballon pour, pour laisser aucune chance au gardien. Et c'est pas ce qu'il fait. Donc, euh, c'est très frustrant, en fait. Tu vois le, le matériel que tu as sur le banc et tu te dis, on, pourrait, on pouvait vraiment faire. Ouais, euh, fin, le quoi. matériel, le matériel, moi, je, je suis d'accord. Mais tous ces, tous ces joueurs, on les a testés aussi, tu vois. Euh, oui, oui, bien euh, sûr. Ces derniers temps. Euh, il n'y a, a personne moi... qui nous enchante vraiment dans cette position. Harit a raté des matchs, mm. euh, euh, De la Fuente a raté des matchs aussi. Euh. Donc, moi encore une fois, j'ai l'impression, je, je me demande même s'il n'y a pas des, Allez, des, des consignes peut-être un peu plus frileuses, tu vois, euh, chez Sampauli, j'en sais rien, mais il y a une question de volonté aussi. Pour éviter une volonté dire de... collective d'en faire plus de prendre des risques. Je sais pas si vous avez vu le super tweet de Moïse sur la première mi-temps. Euh, bon, je vais essayer de le retrouver, mais, ouais, mais c'est ça quoi. C'est euh, c'est sur <coughs> cette absence de, 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 de prise de risque euh, de, bah, de cette équipe de, de l'Olympique de Marseille depuis euh, plusieurs semaines. C'est des redoublements de passes stériles. C'est euh... alors. Oui, et c'est sûr si Milik, as un Milik en forme, un Milik tueur comme euh, il y a, bah, comme la saison dernière. Euh, bon, mais peut-être que ce, ce match-là, même c'est sûr, ce match-là tu le gagnes. Hein. Mmh. Mais voilà, moi je pense que collectivement, mentalement, cette équipe-là, elle, elle va moins de l'avant. Elle va, elle, elle, elle est moins focalisée sur une envie collective d'aller agresser l'adversaire et de lui faire mal, quoi. J'ai retrouvé le tweet de, de Mourad, il dit Quelle mi-temps désastreuse Metz met la misère à l'OM, et c'est un miracle d'arriver à 0-0 à la pause. Pour les Marseillais, il va falloir retrouver l'envie de jouer vers l'avant, prendre des risques et arrêter les choix safe, systématiques. Ça, ça commence à -ce les centraux. Hein ça, 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 ouais. ça, ça part des, des centraux. Hein, parce qu'en début de saison. Euh... Euh, Saliba, par exemple, il avait euh, l'habitude d'avoir des passes claquées directement qui trouvent under. Maintenant, il est systématiquement dans la recherche de Guendouzi pour faire avancer euh, euh, directement pour créer le, le premier décalage. Alors qu'il a les capacités pour euh, prendre le ballon, l'avancer, on l'a vu en deuxième période. Hein. Quand il prend le ballon, qu'il avance euh, ou qu'il ouais. a la passe directement pour trouver under, c'est plus rapide que chercher Guendouzi. Guendouzi qui est pressé, qui est dos au jeu, qui doit aller chercher Luan Pérez. Et c'est comme ça en fait. J'ai l'impression que euh, ces derniers temps, les centraux de l'OM et les douzi touchent plus de ballons que tous les offensifs. Et si on doit regarder, ça doit être au moins le double. Ça doit être au moins le double. Il y a même des matchs où, euh, où euh, Paul Lopez a dû toucher au moins autant de ballons qu'un paillette. Et ça, c'est problématique. Ça prouve qu'en fait, tu es dans un but de conserver euh, le ballon très bas, de faire en sorte que le pressing adverse se déclenche. Mais ce soir, il ne s'est pas déclenché. Mmh. Ce soir, quand tu regardes Metz, ouais. ils étaient en bloc médian. Mmh. Tu avais vraiment, en première mi-temps, des ouvertures à chercher en première intention. Et non, ça a continué à refaire du petit jeu, de la petite babale, des passes latérales. Et ça, c'est problématique. Luan Pérez, pareil. Luan Pérez, a euh, un moment donné, euh, il est en capacité lui aussi, c'est son rôle, de prendre le ballon, de perforer, de trouver le premier décalage. Il le fait de moins en moins. Et ça, donne. Et ça, 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 ça je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, ça vient depuis le match contre Lens. Hein. Depuis la défaite à Lens. Alors, il y a Lorient entre temps. Mais depuis Lens, ouais. tu as pris très, très vrai. cher en transition. J'ai l'impression oui. que depuis Sampdoria, la Ok, on va se calmer. On va... Voilà, c'est exactement ce que, ce, que, ce que je disais. Est-ce est qu'il n'y a pas une volonté vraiment définie maintenant de, 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 de Saint Paoli de, 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 de se renier un peu en quelque sorte, quoi, tu vois, de renier un peu euh, euh, ouais, euh, sa façon de jouer euh, à l'origine qui, bah, qui nous a tous enflammés en début de saison, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis contre. Contre, euh, par, par exemple, à Lazio, la première période, elle est très bien. Il y a de l'intensité. Euh, tu vois très bien qu'aussi les, les, les centraux ont ce rôle de, de lorsqu'ils lâchent le ballon, d'aller directement se positionner dans le couloir pour apporter des solutions au milieu de terrain pour pouvoir que ce soit être touché plus rapidement. Et tu le vois de moins en moins. Déjà, le match à Clermont, la semaine dernière, c'était très poussif. Euh, là, ce, enfin, là ce, à 13h, on savait que ça allait être un match très compliqué. Et puis aussi, les compos de départ. Je trouve que sans sur les compos de départ plus d'une fois cette saison, il fait pas les bons choix. Alors je veux bien, il y a un groupe à faire tourner, il y a des joueurs à faire tourner, etc. Mais moi pour moi ce soir, je pense que mettre Gendouzi dans cette position très basse, alors que là où il est le meilleur, c'est quand il est un peu plus haut. Je pense que ce soir par exemple, ouais. Gay il doit commencer. Pap gay Gay doit commencer à la place de Gerson et tu laisses les clés à Gendouzi pour être un peu plus haut. Il ne le fait pas. Louis Henriquet, pour moi, comme je ne dois jamais commencer le match, j'aurais mis Conrad ou j'aurais mis peut-être Harit. Mm. Mais voilà, pour moi, il y a des choix aussi de départ qui, qui sont ouais. surprenants. Oui, ouais, c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre Rougier aussi. Ouais, ouais, c'est oui. mm. eh, <laughs> euh, Il est parti dans un délire de, de, de faire tourner euh, pour contenter un peu tout le monde. Euh, à partir de là, euh, il affiche. Enfin, pour moi, il, a, il affiche rarement sa meilleure équipe. Bon, il le fait maintenant sur les gros matchs. Mais je vais dire, à un moment donné, il faut prendre des points. Quoi. Ça fait des semaines et des semaines que tu perds des points. Euh... Aussi, peut-être pour ça. Quoi. Donc, euh, mets tes meilleurs joueurs quand ils sont dispo. Euh, fais les jouer. Euh, moi, je suis d'accord euh, avec ça. Hein. Pourquoi ils enchaînent pas Pourquoi tu pas avec Roger Bon, voilà, bah, Tu as peur. Bah. Ils sont dans une gestion. Est-ce qu'ils vont se blesser Est-ce que... Est que lui, je ne vais pas le perdre voilà, Gerson, il faut le relancer. Euh... Ouais, bah, ouais, mais bon, je sais bien, mais c'est bien. Mais là, ces, ces points-là, peut-être qu'ils vont, peut qu vont te manquer aussi. Bah, tu passes deuxième si tu gagnais. C'est-à-dire que ne pas des matchs à petits enjeux. Ah. Avec tout le respect que j'ai pour la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue lorsqu'elle a existé, ah ouais. on, est, on est dans des matchs où tu dois prendre les points. Ce soir ou euh, tout à l'heure, Bosch, quand il, à Lyon, mmh. il va mettre la meilleure équipe possible. Il n'est pas dans OK, je vais le relancer, etc. Il va mettre la meilleure Et position ouais. possible lance quand ils ont, ils ont ils sont partis en mètre quatre ils ont mis la meilleure composition possible à un moment donné faut avoir les, les sentiments alors Gerson mmh. c'est très compliqué tu l'as payé 20 millions c'est un choix du coach etc ouais. mais à un moment donné mmh. faut aussi euh, être dans le résultat dans le concret quoi ouais non, non mais c'est clair allez qu'est-ce qu'on a d'autre bah, dans ce sens-là justement il y a Georges euh, des, euh, Desio qui est l'adjoint donc de son Paoli qui était sur le banc il, il était aussi en conférence de presse et il dit on veut une concurrence saine à tous les postes, y compris au poste de gardien de but. C'est pour cela que Steve a joué avec les changements. Ah. Il est important que le niveau de l'équipe ne baisse pas. Donc voilà, en fait, il veut rester, enfin laisser tout le monde concerné euh, pour que le, le niveau de l'équipe ne baisse pas, mais c'est pas forcément ce qu'on voit sur le terrain. Non mais c'est génial. Enfin moi, je, je, c'est génial si ça marche. Euh, ce, ce, ce turnover permanent pour contenter tout le monde. Et ça marche pas. Ça marche pas. Tu perds des points euh, quasiment à tous les matchs maintenant depuis trois semaines. Tu, tu lâches des points partout. Tu lâches des points en Coupe d'Europe, tu lâches des points en, euh, en Championnat, contre les petits, contre les gros. Euh, à quel moment ça a marché, turnover À quel moment Depuis qu'on a mis turnover à à en place... À Clermont, à c'est Clermont, passé, mais de justesse. Voilà, voilà c'est passé. Voilà. C'est passé à Clermont. De justesse. Voilà, c'est mmh. pas, passé à Clermont. Mais on peut... Voilà, c'est pas passé quand euh, Tu vois, c'est passé de justesse. Voilà, tu, tu... Je viens de dire, mais euh, si que... euh, c'est un peu emmerdant quand même. Non. Tu disais quoi? Ouais, je, je disais que, euh, enfin, clairement, et en plus il fait rentrer paillette et Milik en fin de match pour euh, parce qu'il sent que son équipe a besoin de plus de contrôle. Donc, euh, même vrai. en soi, quand, quand il commence avec les avec des remplaçants, mmh. au final, tu as quand même les titulaires qui rentrent en cours de match, donc tu, ouais. tu les fais même pas reposer à 100%. Exact. c'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, la voix. Oui, alors écoute, il euh, y a, y a pas, mal, euh, pas mal de questions, notamment sur, euh, sur Saliba. C'est vrai qu'il a, il a fait quand même encore un, un match plutôt correct. C'est Maurice là qui dit, euh, est-ce que c'est normal que ce soit Saliba le meilleur joueur offensif de l'équipe Il prend des risques, il assure ses passes en <laughs> cassant des lignes et il centre. C'est vrai qu'on l'a vu quand même très très haut sur certaines phases de jeu. Euh, il a même été plutôt pas mal, quoi. Euh, techniquement, etc. Il rentre dans la surface, il fait des centres qui sont plutôt dangereux. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de sa rencontre bah, surtout en, deux, en deuxième mi-temps, c'est ce que tu disais, euh, Adam. Oui, c'est à, à la sortie on... d'Irola. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus Oui, ça, là, en, en deuxième mi-temps, le, le coach lui a laissé plus de liberté pour le faire. C'est-à-dire que les consignes, finalement, c'était on sort là, on fait rentrer Balerdi et Saliba, toi, tu vas t'occuper du couloir parce que tu as, t as oui. les capacités pour le faire. Et en, en début de saison, moi, j'ai des matchs, je me rappelle à Montpellier, où tu as Saliba qui, qui joue limite ailier euh, ou dans la surface ouais. en phase offensive. Et ça, aujourd'hui, on ne le voit plus, en fait, à l'OM, on le voit plus. Et c'est dommageable parce que c'est un joueur qui a, qui a énormément de qualité quand il arrive lancé. Techniquement, il est très juste. À un moment donné, bah, c'est lui qui fait aussi la passe sur Milik, où il se retourne et il la met ouais. à côté euh, des cages. Oui. Il, ouais. il apporte euh, voilà, son élan, sa fougue offensivement, etc. Et bah, moi, c'était ce, ce qui me plaisait, en fait. C'était quand je voyais... Euh, euh, Baler, euh, quand je voyais Luan Perez le faire et, ouais, et lui ouais. de l'autre côté. Mais mm -hmm. aussi, j'ai l'impression aussi maintenant, je, je, depuis que Kalé Tatchar a intégré la défense, du coup on a moins la vitesse d'un Balerji pour peut-être couvrir. Donc du coup, peut-être que Saliba et Loan Perez ont aussi les consignes de pas euh, de pas être trop haut sur transition parce que euh, on sait que Kalé Tatchar aussi peut ouais, se... Ouais, mais je pense qu'il y a plus de sécurité de toute façon dans le jeu. Dans le jeu de, 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 de l'OM, globalement, parce que même face à la Lazio, on, euh, euh, on voyait un rongier qui prenait quand même beaucoup plus de temps avant de, de, de se remettre dans le, dans le milieu, sur les phases, dans le milieu de terrain, sur les phases offensives, tu vois. On voyait rester quand même euh, euh, arrière droit jusqu'à ce que tu aies euh, la possession dans le camp adverse. Donc il y avait moins cette volonté de se projeter vite et lui aussi de se projeter dans le milieu de terrain pour participer au jeu offensivement. Il y a cette espèce de sécurité et, et tu vois que ça ne paye pas non plus parce que le nombre d'occas qu'a qu qu Metz finalement... Euh encore aujourd'hui euh, bah, tu l'as dit si, si on en prend deux ou trois ce soir <laughs> s'il' y a rien à dire en fait il touche deux fois le poteau euh, mon il te sort deux arrêts euh, deux ou trois arrêts c'est euh, voilà donc euh, tu veux mettre des sécurités au final off donc offensivement tu tu, bah, tu, tu, tu tu perds tu perds quelque chose mais ça t'empêche pas de, de d'avoir de, des occasions à l'appel contre toi donc pff, au final tu es perdant ça, sur tous ça, les tableaux quoi. Ça c'est aussi le c'est pas nouveau hein, mais c'est aussi le fait que Camara lorsqu'il n'est pas là, je trouve que lorsque que Boubacar ouais. Camara joue pas, j'ai l'impression que l'organisation défensive de l'OM mmh. elle, elle prend très très cher. Je je sais pas si contre Lille non plus il est pas là, tu as il bah, y a des fêtes de zéro, et en transition, ouais. tu as l'impression mmh. qu'en fait, tout l'équilibre de l'OM au milieu de terrain passe par lui. Et c'est là, tu rends, ouais. dans ces moments-là, que tu te rends compte qu'il est très important. Est vrai, hein. Surtout qu'en plus, Gendouzi doit prendre sa place. Ce n'est pas là où mmh. il est le meilleur, Gendouzi, c'est quand il est un cran plus haut. Et encore une fois, c'est pour ça que ce mmh. soir, dans le profil, tu dois commencer avec une sécurité comme Pape Gaye et Gendouzi plus haut. Et là, ce ouais. soir, il fait redescendre Gendouzi pour mettre Jerson. En fait, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, as finalement, défensivement, tu es en difficulté et offensivement, pareil. Mais c'est vrai que c'est étonnant, quand même, ces choix. Parce que si t'as pas Camara, le choix, en fait, logique, c'est de mettre Gay. C'est sa doublure à la base. Et Gay, t'as l'impression que ça fait quelques temps que euh, bah, lui aussi, euh, tu lui donnes un peu moins de... Tu vois, il parle de concurrence, mais bon, guy il, il saute aussi un peu, enfin, je sais pas. Euh, le, le remplaçant logique, c'est lui, et ben non, il va chercher une autre option. Bah, c'est ça pour favoriser je Gerson, en fait. Bah, c'est bah, pour, ouais. pour favoriser Gerson. Bah, bah, ouais. Oui, ouais. Bah, oui, parce que c'est la seule pratique, option ça, pour Gerson. pouvoir faire jouer Gendozi, et jerson et donc Gerson. Ouais, c'est ça. Donc, euh... ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre On n'a rien sur Mandanda c est... C est Si, si, ça, si, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a, ah. il y a pas mal de petites, de petites choses sur, sur Mandanda. Et notamment sur Twitch, quelqu'un qui nous demande, il dit « Mais pourquoi faire un turnover à ce poste alors que c'est pas vraiment nécessaire maintenant On se rajoute des problèmes, etc. <laughs> » euh... Alors que bon... Je... C'est vrai qu'on reçoit beaucoup plus parfois des messages nous disant mais pourquoi il joue plus mon Mandanda c'est n'importe quoi etc donc euh, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé vous déjà de ce choix peut-être et euh, surtout euh, qu'est-ce que vous avez pensé de son match parce que finalement euh, c'était pas dégueulasse quoi bah euh, déjà sur le choix Adam tu, as été surpris ou pas je pense que ouais, comme sûr. tout le monde non bien sûr bien sûr tu, tu, tu le ressors euh, bon c'est Metz dans, dans un match à Metz Enfin contre Metz mmh. au Vélodrome, donc tu te dis que tu vas pas avoir, euh, va pas avoir beaucoup d'opportunités. Finalement, bah, j'ai envie de le dire que ramène des points ce soir, mon Dandin. Faut, faut, faut pas se mentir. Euh, première période, il euh, y a une frappe qui va sur le poteau, mmh. il la touche. Euh, le jeu au pied, j'ai trouvé qu'il a été plutôt rapide, plutôt euh, plutôt bon dans dans dans, dans, ce, dans dans voilà dans cet aspect du jeu. Et puis même en seconde période, j'ai un face à face face à 111 où il sort bien. Il y a Corner, etc. Non, ce soir Mandanda ramène mmh. des points à l'OM. On va pas, on va pas se mentir. Maintenant, je comprends pas pourquoi euh, sur, les, sur les derniers matchs, Paulo Lopez, euh, voilà, était très très satisfaisant. Pourquoi tu ressors Mandanda En fait, j'ai l'impression qu'avec Pauli, euh, tu tu, tu peux t'attendre à, à voir débarquer n'importe qui sur la pelouse euh, à n'importe ouais, quel moment. Ça. Et, ça, ça, Et, quel que... Et à n'importe quel, quel poste. Et à n'importe quel poste. C'est ça en fait. Et euh, avec plus ou moins de réussite. Bon, pour Mandanda, il y a eu de la réussite parce que voilà, ça reste Mandanda. Euh, avec paul Lopez, il n'y a pas un écart non plus abyssal. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a de l'expérience, etc. Maintenant, sur des sur certains choix, euh, il se trompe, il se trompe euh, souvent. Ouais. Bon, C'est vrai que celui-là, on ne celui l'a pas vu venir. On pensait qu'il n'y avait plus de concurrence. Euh, et en fait, maintenant, euh, il y a vraiment une concurrence. Alors, s'il y a concurrence, du coup, Mandanda il va enchaîner plusieurs matchs. Non s'il y a concurrence, parce que Techniquement, Paul Lopez euh, va reprendre sa place. Mais alors c'est alors il n'y a pas concurrence. Ils disent. Techniquement. Euh, L'adjoint euh... vient de dire, euh, on veut installer une concurrence. Ok. Donc euh, Mandanda a joué les premiers matchs parce que Paul Lopez était pas pas encore euh, apte et prêt pour jouer. Il a joué quoi les quatre premiers matchs, 4-5 premiers matchs. Euh, non, moins, moins que ça, moins que ça parce qu'il sort en fait, de, il joue trois trois matchs. Il sort il de. s'arrête à Monaco. Euh, ouais, en fait. Ouais. Non, c'est Nice, non C'est pas la. la 4, non, parce qu'il y a Nice aussi. Ouais. C'est Nice. C'est Nice, mais après Nice, c'est Monaco, il me semble. Et à Monaco, c'est Paolo Lopez, première fois où il mmh. est installé titulaire. Ouais. Bon, il fait toute la prépa. Il fait les premiers matchs. Il sort. Et là, on se dit qu'il va y avoir concurrence. Donc, peut-être qu'ils vont tourner tous les matchs, tous les deux matchs, tous les trois matchs. Non, l'autre, il enchaîne, je ne sais pas combien de matchs. Et finalement, il est bon. Euh, euh, il monte en puissance, etc. Et il est décisif. Et, on... et au moment où tu sens qu'il prend euh, un peu... Euh, bah, qui met tout le monde d'accord et qui prend en confiance, qu'il est décisif, tac, tu remets Mandanda. J'ai l'impression qu'il va se mettre des problèmes, moi, bon, en fait. Mm c'était la question euh... du coup c'était la question euh... bah ouais, il, le mec, met il a envie de se met euh... des problèmes pour rien quoi <laughs> à la base moi je trouve qu'il se met un problème pour rien quand il fait sortir Mandanda parce qu'il se fait sortir Mandanda quand il a quand Mandanda euh... est plutôt bon et décisif sur les deux sur les premiers matchs il mandanda. était il était moyen sur les deux premiers matchs il était moyen il Mais revient après, bien il le euh... sort coup... à un moment donné où il... Ouais. où il est décisif où il fait un... où il fait un bon match un, ou deux bons matchs bon Ouais, c'est vrai, à Nice. Et euh, ok, bon, mais là, pour... enfin, je, franchement, je, moi, je, je comprends pas pourquoi il fait jouer Vandana en fait. Je comprends pas. Paulo, pourquoi tu, enfin, à, à la base, euh, à quoi ça sert de faire tourner au poste de gardien déjà, à la base, de base, à quoi ça sert Je comprends pas. Euh, et là, euh, bon, bah, visiblement, euh, il, il, visiblement, Paul Lopez, euh, c'est son joueur. Bon, bah, elle fait le jouer. Maintenant, c'est bon, on t'a tranché. Même Mandanda, je pense que euh, il avait compris. Tout le monde a compris. L'autre, il est bon. Euh, continue à le faire jouer. Là, qu'est-ce que tu vas faire Maintenant, tu, tu, vas leur mettre euh, une pression supplémentaire aux deux en fait. Après, c'est pour pas. Je pas le faire, trouve c'est dangereux ce poste-là. Comment c'est pour ne pas le perdre totalement. Quand tu regardes à, à Paris, tu t as, t as du Donnarumma à Navas, bon, qui sont des gardiens d'un autre calibre, mais les deux, euh, bah, par moment, tu as, as Navas qui est titulaire, et puis à un, un autre, un autre mmh. moment, tu as Donnarumma, etc. Bon, là, tu n'avais pas Lopez qui s'est installé, mais c'est aussi important, euh, peut-être, de donner dans, dans son esprit quelques minutes à, à Mandanda. Peut-être qu'il travaille bien à l'entraînement, peut-être qu'il l'a senti bien c'est ce a... match. Ça lui a donné oui, raison, d'ailleurs. C'est-à-dire que le gardien, c'est un poste particulier. C'est un poste où euh, tu n'as pas besoin de te faire tourner pour la fatigue, euh, ce genre de trucs. Euh, il y, y a moins de blessures aussi. Euh. Ton gardien, logiquement, euh, s'il est bon, bah, il joue tous les matchs de la saison. Donc, il a une option de… de c'est 15 matchs, Paolo Lopez, euh, oui, qu'il doit faire pour… Je ne sais pas à combien ouais. de matchs il doit être. Peut-être voilà, peut-être mmh. que c'est pour le garder euh, motivé, peut-être que c'est… Moi, 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 ça m'a surpris et ça nous a tous surpris, donc, euh, donc oui. euh, voilà. Mais bon, bon Après, je suis d'accord avec malgré... toi, Mandanda fait un super match ce soir et ramène des points à l'Olympique de Marseille. Bon, ben voilà. Hein. Euh, on voit aussi que c'est pas un gardien complètement euh, euh, à la ramasse. quoi, Et que sportivement, entre les deux, il n'y a, a pas non plus énormément de, de différence. Bon, tant mieux pour l'OM, on a deux gardiens. Et, euh, et si cette concurrence-là, elle marche et que, que ça permet de contenter tout le monde, ben, bravo. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Il ouais, y a pas mal de gens qui râlent parce qu'on parle de, de ça, mais c'est quand même un événement que mon revient. Ah bah oui, donc grave. faut, faut qu'on en discute. Bah, c'est la surprise du match, pour moi. Enfin, hum. tu vois, c'est le choix. Bah ouais. euh, personne s'y attendait. C'est ça. Mais là, il y a le Joe qui dit euh, :« Pourquoi normal, on parle de Mandanda euh, On euh, n'a manda, ouais. pas pris de but, mais c'est pas parce que. Euh... ..» Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas de but qu'on que, qu ne peut pas parler du gardien. Enfin, c'est quand même un choix fort de, ouais. de la part du coach. Donc, on, on en discute. Euh, donc, c'est tout. Euh, sinon, on nous parle pas mal de, aussi du but refusé de Gerson. Euh, Est-ce que ça vous a fait un peu bondir de votre canapé aussi euh, Parce que ça, ça n'a pas plu à beaucoup de supporters. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. Vrai. Il y a le, le replay qui, euh, qui, euh, qui passe en boucle sur, euh, sur Twitter depuis tout à l'heure. Alors que. Euh, globalement, l'arbitre, euh... jusque-là, il prend plutôt des, des bonnes décisions non sur l'expulsion le, du joueur de Metz et tout, mais là, c'est hallucinant, quand tu revois les images, ben, c'est fou, quoi. C est, c est, c est... Je ne comprends pas pourquoi il siffle directement, en fait. Parce que c'est ça le truc, s'il siffle pas, il peut aller voir la VAR, et du coup, euh, le but est... Peu, peut être accordé. Non, mais là, c'est dingue, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, 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 rien. Enfin, en fait, c'est un des gros faits du match, en fait. Non Ah, ouais, clairement. Oui. Ouais, voilà. Bien sûr. Après, il euh, y, y a but, on, on, appelle ça de la, on appelle ça de la compassion. Il a mis un rouge à un mec juste avant. Euh, il s'est dit que, ah. bon, euh, je vais siffler parce qu'il y a un léger contact, tu vois le gardien sortir au point. Il se dit que c'est un joueur de l'OM, mais finalement, non, c'est le gardien qui, qui fait tomber. Je crois que c'est Brown, le ce joueur de Metz. Mais non, mais en vrai, il euh, y, y a but. Maintenant, on ne doit pas se cacher derrière ce but. Euh, non, ben non, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça, c'est aussi, euh, aussi une marque de, de faiblesse de, 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 de râler sur des. Même s'il y avait but, il hein, y a un but à 100%. Mmh. Maintenant, l'OM doit être en capacité de, de plier le match avant, de faire beaucoup mieux dans le jeu. Et, euh, et oui c'est vrai que c'est décevant C'est décevant parce qu'il y avait, avait quand même but ouais gros euh, gros erreur d'arbitrage gros erreur d'arbitrage c'est vrai que de, bon il y en a eu pas mal depuis le début de la saison euh, contre l'OM mais euh, ce qui est marquant euh, là c'est surtout euh, c'est surtout cette, cette, cette incapacité à aller euh, tuer le match à 11 contre 10 en fait hein, puisque plus que cette erreur d'arbitrage là et euh, derrière parce qu'il y, y, y a cette erreur d'arbitrage donc juste après l'expulsion mais euh, ce qui est fou c'est que direct après l'expulsion c'est mess qui se procure deux actions coup sur coup et qui, et qui peut te et qui peut te tu vois te te mettre en grosse difficulté parce que c'est là où mandanda il sort une double parade et, euh, et qui sort après sur le sur le, le messin c'est c'est quand ils sont à, à 10. Hein. Bah, oui. C'est saint qui fait, tout... il fait, il fait rentrer tous les attaquants, il sort tous les milieux. Et... Donc, mm. Du coup, tu n'as que des attaquants, tu as Djang, tu as tout le monde sur la pelouse, tu as Milik, je crois mm. qu'il est encore là. Ouais, il fait sur la oui. Voilà, ouais. et donc du coup, euh, bah, très logiquement, euh, quand, quand sur un corner, tu perds le ballon, tu as un gardien qui relance vite, tu as des transitions et euh, mm. tu n'as plus de sécurité en fait. Il n'y a, a, a plus de sécurité et honnêtement, euh, le joueur euh, C111. Honnêtement, l'action où il doit la donner en haut, euh, ouais, euh, j'ai oublié sur, sur quel joueur. Ça. Est, ouais, cette occasion-là, c'est même à un moment donné, il se rentra dedans, il frappe au-dessus, etc. c'est voilà, L'OM a eu beaucoup de chance. Après, moi, je, je sais pas vous si je peux, je peux me permettre de rebondir sur quelque chose. Le match d'Under, c'est peut-être le plus mauvais match qu'il a fourni à l'OM euh, ouais. euh, depuis qu'il est là. J'ai trouvé un déchet technique monstrueux alors que. <laughs> C'est un joueur qui, d'habitude, sur des prises de balles. Et d'ailleurs, il y a mm -hmm. une, de, une de ses pertes de balles qui donne une transition Messine où ça fait très mal. Mais j'ai trouvé que dans les contrôles, même dans sa tonicité, dans, 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 dans ce qui dégageait, dans, dans l'attitude, je n'ai pas trouvé un under dominant. Même en première mi-temps, tu as une passe de Gendouzi qui le lance en profondeur. Il s'en mêle un peu les pinceaux, etc. Voilà. Très, très déçu du, du match d'under. Euh, surtout qu'à ah, Clermont, il a été décisif. Contre Lazio, il a été intéressant. Ce soir, il est. Il a été vraiment dedans pour ma part. Ouais. D'ailleurs, en commentaire, ça serait intéressant de nous dire euh, quel... quel est votre, euh, votre flop côté marseillais, votre top aussi euh, côté, euh, côté marseillais. vais euh... Alors... peut-être pas mis. Euh... Parce que moi, j'aurais peut-être pas mis Under. Ouais, c'est vrai qu'Under a eu du déchet. Mais... Après, c'est aussi au niveau des attentes qu'on qu a par rapport à ces joueurs. Ouais, euh... c'est ça. Moi, j'aurais plus mis Milik, tu vois. Mmh. Milik, putain. Il, il, en, il, il en rate euh, combien ce soir Il en rate 2-3 deux, deux, euh, énormes. Ouais. Une de la tête. Euh, celle où il se retourne. Et, euh, et sur une passe en retrait, c'est pas lui aussi sur la passe en retrait de Luan Pérez oui. Très très timide avec le, le, le messin qui se, qui se jette euh, ouais, ouais, en première ouais, période. La, que, ouais, la frappe la passe de Paul. Euh, ou ouais. Molle. Ouais. Ouais. C'est pas de lui ça. Ça, c'est pas de lui quoi de, de faire ça. Normalement, c'est un tueur quoi devant. C'est euh, fou. Hein. On n'arrive on pas à le retrouver, ce, jeu, ce joueur, hein, depuis euh, plusieurs semaines. Après, avant de blessure, c'est compliqué. Mais... Voilà. Il, doit, il, doit re, il doit reprendre son rythme. Il doit aussi euh, marquer dans, dans le jeu, parce que je ne sais pas s'il a marqué dans le jeu depuis qu'il est là. C'est des, des, pén des pénalties, non euh, Oui, il met des euh, pénalties. Paris deux et Lazio, oui. c'est deux pénalties. Et voilà, on se rend compte que finalement, euh, il a besoin aussi de, de mettre ce but dans le jeu qui, qui va, va peut-être le libérer. Et je le trouve aussi un peu moins euh, un peu moins fluide sur ses appuis. Je trouve qu'il est un peu lourd par moment. Alors que euh, ce qui a fait sa force notamment quand il arrive à l'OM, c'est que il était un peu plus sur les appuis, il était un peu plus léger. J'ai l'impression que même il était plus instantané, il frappait plus fort dans, dans le ballon. Et, voilà, J'espère que pour Milik, ce n'est pas une crise de confiance qui s'installe parce que là, oh là, là c'est ouais. l'OM qui, qui devient un chat noir pour les ouais. numéros 9 parce que c'est vrai que oui, le, bah ce match-là, il n'a match pas le droit. Même sur la tête qu'il met sur Ukija qui sort bien, il y a Payette qui est en retrait. S'il la remet sur Payette, le but est grand ouvert. Et non, il essaye de la reprendre. Il y a beaucoup de mauvais choix dans, dans son jeu. Voilà, C'est vrai que c'est décevant, Milik aussi euh, ce soir et depuis qu'il est revenu de blessure. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Axel sur, euh... sur euh... Gerson Milik. Mmh. Vous ne l'avez pas vu sur Twitter Axel M. Axel. Ouais, non, très drôle. Je pas vu ça. Photo de, <laughs> de Stroutman et... et de. Putain, que. Quoi... Ah oui, et de Mitroglou. Mitroglou qui descendent du bus. <laughs> et il met euh, Gerson Milik. Le duo de Gerson <laughs> Melik. Okay. Il, il y en a pas mal qui lui ont répondu des, des, des trucs un peu dans la même veine, avec une photo de Barada, une photo de Deschiglier, et ils mettent Arit Lerola. Donc tu vois, c'est peut-être une nouvelle mode là, est qui vrai. est en train de s'installer. Lerola Ouais, euh, ouais Il y a des joueurs qui sont dedans, aussi. mais c'est vrai, vrai qu'il y a des joueurs qui sont dedans, mais moi, je pense que le problème, il reste collectif, il reste dans ce que tu tu veux faire sur le terrain. Alors peut-être qu'ils n'y arrivent plus, peut-être qu'ils étaient tous en surrégime et qu'ils étaient tous... Euh, ouais, euh, bah, comme euh, tu vois, il y a pff, ouais, t as, t as des périodes où il euh, y a tout qui te réussit, tu es, es, es à 120% de tes capacités euh, techniques, physiques. Peut-être qu'en début de saison, c'était ça, c'était l'enflammade et tout le monde était au-dessus de son niveau réel. Mais il y avait aussi, voilà, cette envie de, de se projeter, de, de mouvement et de, de proposer du jeu, de proposer des options à droite, à gauche, de, de changement de terrain, de jouer vers l'avant. Ça, ça y est plus. Mais, euh, c'est sûr, Harit, il rentre dans cette équipe-là au tout début. Il, putain, il fait un match de fou. Euh, et là, tu as l'impression que tous, euh, ils, ils sont plus, quoi. Quasiment, enfin pas tous, mais euh, offensivement, euh, on... ils sont tous un peu en dedans, quoi. Eh bien, ça messieurs, fou, en fait. Ouais. Ouais. Oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. C'est, compliqué. Hein. J'espère que. Ah, bon, là il y a la trêve internationale. Après, c'est quoi les deux prochains matchs de l'OM Alors, on commence par Lyon. Ouais. C'est direct Lyon. Ah ouais. Direct Lyon et ensuite ses déplacements à Istanbul. Ouais, là ça va être, euh... oui. ça va être tendu. Le 28 après c'est les... réception de 3. Donc on va dire là c'est un peu plus simple, mais on pouvait dire la même chose euh, du match face à Metz et on a vu comment ça s'est ouais. passé. Ok. Messieurs, on va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, oui, si tu veux. A... C'est bon pour toi, tu avais. Euh... Euh, oui. oui bah, j'avais d'autres petites choses mais ça va c'est pas, pas très très grave juste petit rappel on a la fancam ouais. qui est sortie vous pouvez aller voir ça sur notre chaîne euh, youtube euh, j'explique je mm -hmm. juste euh, elle dure que 3 minutes 40 euh, Nico était sur place et en fait il a eu, euh, il a eu un petit souci avec, euh, avec une carte mémoire et donc euh, il, voilà, il a perdu des rushs donc c'est pour ça qu'elle ne dure que 3 minutes 40 et euh, donc il, est, il en est désolé bien sûr mais, euh, mais ouais, voilà une fancam un peu plus courte, mais en même temps c'était un match un peu décevant. Donc, euh... non, bon, peut-être que c'est mieux. Okay. Euh, du coup, on se donne rendez-vous ouais. demain à euh, 17h30 pour Débat Foot Marseille. On sera en plateau. Et, euh, et voilà, on aura le temps de, de revenir sur ce match euh, en profondeur. Il euh, y aura Jean-Charles, et il y aura Nico, et il y aura euh, Ryan, et il y aura ouais. moi-même, normalement. Voilà. Voilà. Euh, merci Adam! C'est très sympa de t'avoir. Ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas débriefé un match ensemble. Euh, donc voilà, on essaie de se refaire ça euh, dès que possible. Et puis, très euh, Bien bientôt plaisir. aussi sur, sur la chaîne euh, des réservistes. Très bonne chaîne Bien YouTube qu'il faut aller suivre. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.